Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi. Intempéries, vagues de froid, comment faire pour se chauffer? Nous répondrons à toutes vos questions. Puis nous parlerons de soldes, pas dans un magasin de chaussures ou dans un magasin de vêtements, mais dans une brasserie. Mais avant tout, la campagne de vaccination contre la grippe A continue. Les médecins généralistes peuvent depuis ce matin vacciner les patients dans leur cabinet. Pas de vaccination aujourd'hui dans les cabinets médicaux, contrairement aux souhaits exprimés la semaine dernière par Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé. La campagne contre la grippe A semble subir quelques problèmes de logistique. À Lyon, médecins et pharmaciens regrettent une collaboration tardive. Un parcours du combattant, se rendre chez son médecin ne suffit toujours pas pour se faire vacciner contre la grippe A. Il faut encore passer par la case centre de vaccination, une organisation complexe que critiquent les professionnels. En ce qui concerne la délivrance des vaccins, nous demandons de s'appuyer sur l'existence, c'est-à-dire sur le réseau des pharmacies, qu'on puisse aller, nous ou les patients, aller chercher le vaccin en pharmacie. Depuis juillet 2009, les généralistes demandent le droit de vacciner. Pour ce médecin, la mise en place tardive de l'autorisation semble être un moyen pour le gouvernement de vider les stocks. Les gens ne sont pas dupes. Hein. Par ailleurs, se faire vacciner au mois de janvier, au mois de février, on a l'impression que c'est à la fin de l'épidémie, même si on nous annonce un deuxième pic de plus en plus improbable par ailleurs pour le mois de mars. 5 millions de Français ont déjà reçu le vaccin contre la grippe A dans les centres, contre 12 millions de vaccinés pour la grippe saisonnière chez leurs médecins traitants. Je pense qu'on aurait eu beaucoup plus d'adhésion à la vaccination si effectivement le gouvernement avait fait confiance aux médecins généralistes de ce pays. 22 euros, c'est le prix à payer pour une vaccination chez un médecin conventionné, soit le tarif d'une consultation normale. On pensait la vague de froid passée. Pourtant, après la neige vient le verglas. Il faut donc saler les routes pour les piétons, les automobilistes et les cyclistes. Seul problème, une pénurie de sel dans les grands magasins. L'actualité en bref et en images. Lyon est devenue une patinoire. En cause, la rupture de stock du sel de déneigement. Un arrêté préfectoral a interdit l'approvisionnement vers les magasins ce week-end. Les grandes enseignes du bricolage attendent une livraison d'ici la fin de semaine. En attendant, mieux vaut s'armer de patience et d'une bonne pelle. Il faisait moins 10 degrés aujourd'hui. Pourtant, les amoureux du vélo ne se sont pas laissés impressionner. Sur certaines bornes, il manquait plus de la moitié des vélos. Accro du deux roues ou simple volonté de faire des économies, la bicyclette continue de faire des adeptes. Je trouve que c'est un bon compromis par rapport au transport en commun. C'est un bon compromis entre la marche à pied et le métro. Seul problème, les pistes cyclables n'ont pas toutes été déneigées et sont impraticables. On roule sur la voie des bus. Il ne faut pas oublier aussi de respecter les panneaux, les feux, parce que sinon les flics sont derrière vous. Selon les prévisions, la vague de froid devrait continuer jusqu'à ce week-end. Un café à moins de 1 euro, vous connaissez? Eh bien, ça existe. Une brasserie lyonnaise propose des promotions appliquées à tous les plats et à toutes les boissons. Une première pour un restaurant. Entrée, plat du jour, dessert, ici tout est en promotion. Sam et Johanna Bekassi, père et fils, sont gérants de la brasserie. L'idée est venue du plus jeune, après la baisse de la TVA et des retombées positives de leur clientèle. Les deux gérants n'ont pas voulu s'arrêter là. Leur objectif, faire quelque chose de plus poussé et d'innovant. Chaque rond correspond à une remise, donc le blanc c'est 10%, le bleu c'est 20%. Là, les desserts, par exemple, le rouge, c'est moins 50% et le jaune est à moins 30%. Donc, toute la carte est répertoriée avec des petites pastilles de couleur qui donnent la couleur de la promotion, c'est le cas de dire. Solide, liquide, on parle bien de promotion et non de solde. Selon la réglementation, le terme solde s'applique à des marchandises que l'on peut stocker, ce qui n'est pas le cas pour les aliments. Avec leur formule, les deux propriétaires font des heureux. Certains en voudraient même un peu plus. J'habite en
dessous, à l'Opéra, et mes bureaux sont derrière. Du coup, 91 centimes le café, allongé à 1,05€, c'est génial. Je crois qu'ils ont à cœur de montrer que les clients ne sont pas seulement des payeurs, mais que même s'ils viennent prendre un café, ma foi, ce ne sont pas des vaches à lait. Si on est capable de pratiquer des prix à une certaine époque, on pourrait les pratiquer tout le long de l'année, par exemple. Une coupe de champagne à moins 20%, ça vous tente? Vous avez encore jusqu'au 14 février pour profiter de cette opération. Les sanctions à l'encontre des bars et des boîtes de nuit lyonnaises se multiplient. Pour exprimer leur mécontentement, les professionnels de la nuit viennent de créer l'association Sauver la Nuit. À cette occasion, je me trouve avec Dominique Lafoy, patron du Cubot et futur président de l'association Sauver la Nuit. Bonjour Dominique Lafoy. Bonjour à vous. Alors, déjà j'aimerais savoir pourquoi vous avez créé cette association. On a fait une réunion avec plusieurs chefs d'établissement et on s'est aperçu que tous, même si on était dans des professions un peu différentes, c'est-à-dire certains exploitent des bars, d'autres des restaurants, d'autres des discothèques, qu'on était un petit peu confrontés aux mêmes problématiques. C'est-à-dire deux axes principaux. Premièrement, il y a un décret qui vient d'être mis en place qui permet aujourd'hui aux établissements dits discothèques ou ayant une piste de danse de pouvoir ouvrir jusqu'à 7h du matin en arrêtant le service alcool à 5h30. Donc ça, c'est une avancée notoire et il faut féliciter, je dirais, une partie de l'administration pour avoir mis ça en place. Simplement, on a peur que ça crée une problématique par rapport aux autres exploitants qui ont une licence 4 et qui, eux, vont se retrouver confrontés, je dirais, toujours à peu près au même problème, c'est-à-dire une non-reconnaissance véritable de notre profession en tant qu'entreprise, comme on peut trouver dans d'autres domaines. Est-ce que vous vous rendez compte aussi peut-être que les riverains ont besoin de plus de tranquillité le soir, ont besoin d'avoir moins de bruit? Vous parliez de mauvais élèves tout à l'heure, est-ce que justement, comment on pourrait essayer chacun d'aller dans le sens de l'autre aussi, de faire un petit peu plus attention? Comment on pourrait rendre les choses un petit peu plus communes? Alors, c'est un travail que l'on effectue déjà depuis très longtemps, puisque tous ces problèmes de nuisances sonores, même si elles sont amplifiées aujourd'hui, par rapport à quelque chose qui a créé encore, une différence et un fossé entre les gens, on a dit à l'ensemble des citoyens, vous avez des droits. D'accord, mais on a oublié de leur dire qu'ils avaient des devoirs. Le civisme a disparu pendant un moment à l'école, et ça c'est quelque chose de très dommageable, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand les gens sont en extérieur, dès l'instant où on leur a dit « vous avez des droits », ils croient que tout leur est permis. Nous, notre action en tant que responsable d'établissement nocturne, elle s'arrête malheureusement à l'entrée de notre établissement. Tout ce qui se passe en extérieur, ça ne nous concerne pas, on n'a pas le droit d'intervenir. Merci beaucoup Dominique Lafoy. De rien. Donc c'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi et prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 20h.